enterré au pied des murs de Constantinople. Ce compagnon était un exemple de courage et de piété. Il n'a jamais hésité à sacrifier sa vie pour sa religion. Khalid ibn Zayd al-Najari, connu sous le nom de Abu Ayyub ibn al-Ansari, est né à Yathrib pendant la période de la Jahiliya. Il fut l'un des premiers hommes à prêter allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam lors du deuxième serment de la Aqaba. Lors de l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine, il fut très bien accueilli par les habitants de la ville. Les Médinois souhaitaient tous avoir l'honneur de l'héberger. Mais le prophète décida d'aller à Quba, un petit village qui se situait à 2 km de Médine. Et c'est pendant cette période que le prophète sallallahu alayhi wa sallam bâtit la première mosquée. 4 jours plus tard, il retourna à Médine. Et à son arrivée, chaque habitant entravait le chemin de sa chamelle et le suppliait pour qu'il vienne habiter chez lui. Et celui-ci leur disait de libérer le passage, car elle avait reçu un ordre de son seigneur. La chamelle poursuivit son chemin jusqu'à atteindre un espace vide, et ensuite, elle s'assit sous les yeux des musulmans. Mais le prophète ne descendit pas, et la chamelle se releva et marcha quelques pas avant de revenir s'asseoir au même endroit. Et c'est à cet endroit que sera bâtie la mosquée du prophète. Cet emplacement se trouvait juste devant la maison d'Abu Ayyub. Plein de joie et de bonheur, ce dernier se précipita vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam et transporta ses affaires vers sa maison. La maison d'Abu Ayyub était composée de 2 étages. Abu Ayyub prépara l'étage supérieur pour le prophète, mais celui-ci préféra l'étage inférieur. Lorsque la nuit tomba et que tout le monde alla se coucher, Abu Ayyub dit à sa femme qu'il ne devait pas être au-dessus du prophète et qu'il courait à leur perte en faisant cela. Ainsi, ils n'ont pu trouver le repos que lorsqu'ils se sont mis au coin de la pièce, là où ils pouvaient être sûrs de ne pas être au-dessus du prophète. Le lendemain, Abu Ayyub alla trouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui dit « Par Allah, nous n'avons pas pu fermer l'œil, moi et ma femme, cette nuit. Et pourquoi donc ?» lui dit le prophète. « Je me suis rappelé que j'étais à l'étage au-dessus de toi et que si je bougeais, la poussière risquait de tomber sur toi. » répondit Abu Ayyub. Ne sois pas triste, il est juste plus simple pour moi d'être à l'étage inférieur puisqu'il y a beaucoup de monde qui vient me visiter. Abu Ayyub a donc obéi à l'ordre du prophète. Mais pendant une nuit froide, une jarre s'est brisée. Et l'eau a coulé sur le sol de l'étage supérieur. Alors, Abu Ayyub s'est levé avec sa femme pour aller nettoyer l'endroit mouillé. Mais tout ce qu'il possédait était une couverture en velours. Ils séchèrent donc le sol avec cette couverture pour ne pas que l'eau atteigne le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le lendemain, Abu Ayyub est allé voir le prophète et lui a dit qu'il détestait être au-dessus de lui. Et puis, il lui raconta l'histoire de la jarre. Et c'est seulement à ce moment que le prophète accepta de monter à l'étage supérieur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a habité dans la maison d'Abu Ayyub pendant 7 mois. Lorsque la construction de la mosquée prophétique fut terminée, il déménagea pour aller habiter dans les pièces qui entouraient la mosquée. Et il est ainsi devenu le meilleur voisin de Abu Ayyub. Ceci était une partie de la vie d'Abu Ayyub en temps de paix, mais la plus grande partie de sa vie était sur les champs de bataille. Il est dit que s'il manquait une campagne militaire, c'est parce qu'il était occupé par une autre. La dernière fut lorsque le calife de l'époque, Muawiyah, prépara une armée au commandement de Yazid pour conquérir Constantinople. À cette époque, Abu Ayyub était un vieil homme qui avait atteint les 80 ans. Mais cela ne l'a pas empêché de rejoindre l'armée de Yazid et de traverser la mer. Mais quelque temps plus tard, il tomba malade. Yazid vint le visiter et lui dit « As-tu une requête particulière, ô Abu Ayyub ?» Celui-ci répondit « Passe le salam aux soldats et dis-leur, Abu Ayyub vous conjoint de pénétrer aussi loin que vous pouvez dans les terres de l'ennemi et que vous le portiez avec vous pour l'enterrer au pied des murs de Constantinople. » Avec ces mots, Abu Ayyub lâcha son dernier souffle. Les soldats répondirent à la requête de Abu Ayyub et attaquèrent l'ennemi sans relâche, jusqu'à atteindre les murs de la ville. Puis ils creusèrent une tombe pour l'enterrer,
Et c'est ainsi que se termina l'histoire de Abu Ayyub ibn al-Ansari. Qu'Allah accorde sa miséricorde à ce valeureux compagnon et lui fasse entrer au paradis.